Metz, le leader, enregistre le retour de Frédéric Mérieux, l'indispensable milieu de terrain aux côtés de Pires. En revanche, Dany Boffin, la fusée lorraine, est absent. Mais attention, les Havrais ne viennent pas en victime. Ils se sont imposés ici l'an passé, 2-1. Alors méfiance, d'autant que les conditions sont difficiles. Une petite pluie fine tombe sans discontinuer. Lukic pour Rodriguez, dos au but. Derrière lui pour Blanchard. Blanchard temporise. Faute sur Jocelyn Blanchard. Coup franc pour Metz. Bien placé. Le canonnier de Metz, c'est Rodriguez dans le mur. Pierre a surgi et finalement Cassard sans problème. Une minute plus tard, contre-attaque havraise. Louis-Jean qui monte beaucoup sur son côté droit. Centre. Tête de Pouget juste au-dessus. La tête de l'ancien Messin Pouget. Mais Metz n'arrive pas à développer son jeu. Lukic et Pires se démènent. Ils sont fauchés l'un après l'autre. Un coup franc très dangereux. Pires se relève. Il va laisser Mérieux tirer ce coup franc tout près de la surface. Frappe de Mérieux et le ballon file devant le but de Cassard. Toute l'impuissance de Metz sur cette action. Et à la mi-temps, Metz et Le Havre sont donc à 0-0. Les Messins n'ont peut-être pas encaissé leur première défaite dimanche dernier. Ils ont du mal. Il faut accélérer en deuxième période. C'est ce que fait Robert Pires. Pires avec Lukic. Lukic fauché. Encore un coup franc. Il faut en profiter, Mérieux. Mais Cassard dévie en corner. 57e minute. Ça y est, Metz a pris les choses en main. Pires, Rodriguez. Pires dans la surface. Il temporise un dribble. Et le but. 1-0. Et voilà, Metz montre son vrai jeu. Et Pires, le chouchou de Saint-Symphorien, plein de lucidité devant le but. Cassard est battu. 1-0 pour le FC Metz. Le public explose enfin. 67e minute. Rodriguez très remuant depuis le début. Un centre. Il y a Pires au deuxième poteau. C'est renvoyé par Cassard. Mais Pires est encore présent. Un centre. Cassard se trouve, reprise de Rodriguez manquée, mais dans l'axe il y a Fred Mérieux, geste acrobatique et finalement Cassard arrête le déluge. Mais Metz a un tout autre visage depuis la reprise, ça continue. 68e minute, erreur de marquage sur Jocelyn Blanchard, il dribble Delaunay, il dribble le gardien Cassard et marque le deuxième but pour Metz. 2-0, la vague messine emporte tout. Blanchard comme Pires mystifie le gardien Cassard en finesse et Metz prend le large. 2-0, les Messins qui sont rentrés dans le match à la 45e minute et qui mènent à la 67e, 2-0, un coup franc de Mérieux, bien dévié par Cassard. Le Havre essaie de se signaler enfin d'Orasso au coup franc, Pasquale bien décalé, reprise au-dessus. Pas de quoi refroidir le public qui entame la Holla dans Saint-Symphorien. Kasten Dutch lance Rodriguez qui navigue de tous les côtés de l'attaque, il est à droite, il remet au centre pour Lukic. On passe à gauche avec Fred Mérieux, une frappe de Mérieux, encore une fois détournée par Cassard. Mais peu importe, Metz s'impose 2-0 face au Havre après sa première défaite de la saison il y a 3 jours. Metz a parfaitement bien réagi. Il faut tout simplement être patient. En premier temps, c'est vrai qu'on a manqué un peu, comme j'ai dit à l'instant, un peu de fraîcheur, un peu de percussion. C'est ce qui nous avait fait un peu défaut, notamment à Strasbourg lors de la deuxième mi-temps. Bon, on a été patient, on a remis à la mi-temps les choses un peu en place. On a étudié un peu ce qu'il fallait faire, ce qui n'avait pas été justement durant cette première mi-temps. Et puis, je crois collectivement, deuxième mi-temps, on a retrouvé le SMS.